Bonjour tout le monde à la maison, vous êtes avec Myriam Larouchet pour le blog de Best Buy. Selon vous, quel est l'outil de prédilection de tous les étudiants, peu importe qu'il s'agisse du secondaire jusqu'à l'université? Ou encore, qu'est-ce qu'utilise un travailleur sur la route ou qui travaille de la maison? Et pour le divertissement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en voyage et qu'on a envie de se divertir? Eh bien, selon moi, l'outil incontournable, il s'agit du fameux ordinateur portable. Et avec la rentrée de classe, je dois vous avouer que j'étais très contente de pouvoir tester pour vous et mettre à l'épreuve le tout nouveau Galaxy Book 2 de Samsung. On connaît tous bien sûr le Galaxy en la gamme de Samsung. Eh bien, on arrive cette fois-ci avec un nouveau euh, ordinateur portable qui est le Book 2 Pro. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vient immédiatement avec Windows 11. Parce qu'on sait au courant des dernières années, les ordinateurs portables qui avaient quelques années ont eu peut-être de, de la difficulté à avoir dans le fond le fameux Windows 11. Et certaines éditions n'avaient même pas l'opportunité avec certaines compagnies de passer avec cette nouvelle suite. Et j'adore personnellement Windows 11 pour toutes les façons d'optimiser le travail. Alors, pour les étudiants à la maison ou encore pour ceux qui travaillent, je crois sincèrement qu'avoir un nouveau ordinateur portable avec la suite Windows 11 vous permet incroyablement de pouvoir, euh, pouvoir avoir plusieurs fenêtres ouvertes en même temps, ainsi qu'accélérer euh, votre processus académique ou d'écriture. Alors, si je veux vraiment parler avec vous en ce moment du Galaxy Book 2 de, euh, de Samsung, je tiens à vous dire immédiatement qu'il vient avec un disque SSD. SSD, donc, aussitôt que vous ouvrez dans le fond euh, votre ordinateur euh, au niveau de la fenêtre principale, il se mettra en fonction. Donc, aussitôt fermé, il sera également par la suite aussitôt ouvert avec un écran qui s'ouvre pour vous. Dans le cas échéant où l'ordinateur serait en mode prolongé, bien sûr, d'attente ou en arrêt, eh bien, il y a un tout petit bouton ici à l'écran que je trouve très intéressant qui vous permet de pouvoir justement le mettre sous tension rapidement ou hors tension. Il faut savoir qu'il vient avec 8 GB de mémoire pour une très bonne performance. Et d'ailleurs, ce qui était très important pour moi avec ce type d'ordinateur, c'était de le mettre à l'épreuve pour vrai. Donc, comme vous le savez, je suis enseignante universitaire ou collégiale. Je suis également étudiante doctorale en génie. Et ce que j'aime particulièrement, c'est quand un ordinateur portable a l'opportunité de pouvoir gérer plusieurs logiciels tels que des logiciels de dessin, de simulation et souvent malheureusement dû au fait qu'il n'y a pas 256 gigs qui nous permet d'avoir de l'espace pour pouvoir sauvegarder nos nos fichiers ou que le SSD n'est pas assez performant quand il, y a, il est absent, eh bien il est dur de rôner ces logiciels. Alors moi ce que j'ai fait c'est que les logiciels qu'on a à, à, à l'école bien sûr, je les ai installés sur mon ordinateur portable pour voir est-ce que nous en tant qu'étudiants, est-ce qu'en tant que personnes qui sont en ingénierie, en sciences, en de pouvoir utiliser ces logiciels. Eh bien, pour une fois, je suis tellement contente de vous dire que c'est le cas. J'ai pu justement utiliser Solid Edge, Word, Cassia, C++, par exemple, ou encore mon logiciel de simulation qui s'appelle Flexim. J'ai tout pu les ronner avec mon ordinateur. Alors, pour un étudiant qui peut partir avec justement ses projets d'école, je trouve ça très intéressant à ce moment-là. De plus, on n'a pas beaucoup parlé encore de l'écran. Il s'agit d'un écran de haute résolution, donc 1920p par 1080. Donc, vraiment euh, HD qui vous permet d'avoir vraiment des Bons contrastes et des bonnes couleurs. Puis là, ben moi, je fais partie des gens qui adorent travailler de l'extérieur, surtout pour profiter des dernières journées d'été ou encore d'automne. Et une autre chose que je trouve souvent désagréable avec un ordinateur portable, pour les derniers que j'ai testés pour vous, c'est souvent la résolution, justement, les contrastes, les couleurs qui, lorsque, aussitôt projeté avec vraiment une très grosse luminosité, on perd dans le fond l'affichage. Et eh bien, dans le cas euh, du Samsung, le Galaxy Book 2, j'aimerais ça qu'on voit l'image en ce moment de moi qui travaille sur euh, ma terrasse. Je ne sais pas si vous êtes capable de constater que c'est du gros soleil du mois d'août. Il fait vraiment, là, euh, une très grosse luminosité et je ne perds aucun contraste avec des couleurs à 120% avec un rapport de 1 million. Donc, vous avez vraiment ce qu'on appelle une expérience améliorée, évolutive avec ce type d'écran. De plus, j'aimerais vous dire aussi qu'il fait partie d'un audio Dolby Digital, bien sûr, qui vous permet également de pouvoir bénéficier de vos séries préférées et de vos films. Donc, ça vous permet d'avoir vraiment un outil de divertissement puis de travail combiné. Et en plus... Extrêmement léger, donc facile à transporter. Il s'agit bien sûr d'un écran de 15,6 pouces pour pouvoir vous permettre de le transporter partout avec vous sur la route. Vous avez une vitesse de processeur de 1,7 euh, GHz, justement pour pouvoir vous aider avec les logiciels, une capacité du disque allant jusqu'à 256 euh, GB et une RAM de size 8 qui vous permet d'avoir, grâce à la carte graphique Iris XE d'Intel, une merveilleuse résolution et une rapidité d'action incroyable. Ensuite, moi ce que j'ai un peu moins aimé peut-être avec ce type de produit, c'est le petit euh, clavier tactile que j'ai d'ailleurs euh, des fois activé et des fois désactivé. Je trouve que des fois, la cliquette peut être un petit peu difficile au doigté lorsqu'on veut avoir beaucoup de précision. Mais je pense que vous en doutez quand on fait du dessin, quand on veut vraiment un niveau de pression, veut vaut mieux ajouter, bien sûr, euh, par la suite une souris. Il y a également plusieurs ports de disponibles. Donc, un port pour euh, carte micro SD, vous avez un port USB-C, un autre port HDMI qui est disponible, un port pour les écouteurs et les microphones. Si on veut faire des conférences euh, pour, ou encore recevoir des cours à distance. Alors, personnellement, si je voudrais dire à mes étudiants quel type d'ordinateur se procurer pour une bonne valeur qualité-prix, un rendement pouvoir utiliser des logiciels et bien sûr faire du traitement de texte et vaquer à ses occupations. Eh bien, je pense que hors de tout doute, le Galaxy Book 2 de, de Samsung devient une référence à l'heure actuelle pour ceux qui aiment travailler sur Windows, Windows 11 qui est déjà bien sûr intégré lors, lorsque vous le, le mettez en fonction. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les spécifications complètes du produit, peut-être les dimensions, voir mes photos de mes essais, euh, mon opinion un peu plus en détail écrit, mais je vous invite à aller lire mon article à ce sujet sur le blog de Best Buy. Si vous avez des questions sur le rendement, l'utilisation, euh, vous aimeriez me poser des questions, n'hésitez surtout pas dans l'article ou dans la vidéo euh, YouTube de Best Buy à m'écrire un commentaire. Il me fait toujours plaisir d'échanger avec vous et vous donner quelques trucs et astuces au besoin. Alors euh, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison.